paradis perdu. Pour les comprendre, il faut d'abord passer par les mythologies indigènes. Alors, ces mythologies indigènes parlent de, en traduisant dans notre vocabulaire, de la terre sans mâle, du lieu où se trouvent les ancêtres et où les ancêtres sont heureux, dansent tout le cours de leur nouvelle existence d'ancêtres et redeviennent jeunes. Et c'est leur représentation de la terre heureuse. Cette représentation a assimilé, en effet, des éléments de la culture occidentale et donc ce thème du paradis, mais réintégré dans la pensée mythologique indigène et, en ce sens, les éléments adoptés de la culture occidentale peuvent être retournés comme une manière de d'alimenter un mouvement, en effet, de dissidence et de révolte contre la domination, disons, coloniale, pour retrouver le monde d'autrefois qui a été perdu et qu'on retrouve en exécutant les danses, du rituel, etc. L'ensemble de mes travaux, j'ai toujours essayé de combiner la documentation écrite et les apports de l'anthropologie, de l'ethnographie, de ce qu'on appelle le travail sur le terrain. Tous les sujets ne le permettent pas, mais j'ai choisi mes thèmes d'enquête en fonction de cette possibilité de combiner aussi bien les techniques, la recherche, l'approche historique et la documentation ethnographique. Alors cette documentation ethnographique, on la trouve en travaillant directement, personnellement, sur le terrain, ce que j'ai fait personnellement dans les Andes, et c'est le travail sur les Ourous, les vaincus des vaincus, mais évidemment, pour les autres groupes, nous avons recours à la bibliographie existante, c'est-à-dire aux ethnographes qui ont leurs apports, et ces ethnographes ne sont pas nécessairement des collègues du XXe siècle ou du XXIe siècle. Il y a aussi des ethnographes avant la lettre, qu'on retrouve donc dans la documentation. Je pense à Jean Delery, que Lévi-Strauss lui-même a tellement, et à juste titre, mis en valeur la description par Léry des danses des Indiens Tupis. C'était une manière pour les Indiens Tupis de retrouver leur paradis perdu dans notre vocabulaire avec beaucoup de guillemets, et la description de Léry est d'une telle richesse qu'elle permet de combiner la documentation écrite et les données du terrain qu'a si bien décrit Léry au milieu du XVIe siècle.